Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coolo Mike. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce glitch d'argent sur Warzone 2 dans le mode Battle Royale. Alors, pour réaliser ce glitch, il va falloir vous rendre juste ici à Sawa Village, donc juste ici sur ce bâtiment-là. Voilà, où j'ai ping. Donc c'est ce que je vais faire, je vais me rendre à cet emplacement-là et je vais vous montrer. Ok, quand vous arrivez à Sawa Village, vous allez sur le bâtiment bleu là, où il y a des drapeaux jaunes. Et là, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir rentrer. Parce que tout simplement, c'est un site noir. Donc, vous ne pouvez pas rentrer. Et là, moi, je vais vous montrer la solution pour rentrer directement. C'est ici, vous avez une petite fenêtre. Vous la cassez. Voilà. Ensuite, vous sautez. Ah, merde. J'ai failli ne pas réussir. Vous sautez et vous entrez dans la maison. Donc là, vous avez réussi à passer dans le site noir sans avoir de clé et sans que le site noir soit ouvert. Donc là, vous avez juste à vous stuff, hein. Donc c'est un bon moyen de commencer une partie, je trouve. On va l'échanger avec le pompe. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de stuff. Hein. Semtex. Plaque. Ici, comme d'habitude, des stimulants. La salle de bain. Voilà. Ensuite, toutes les portes seront ouvertes. Hein. C'est ça qui est bon. Et en plus, il n'y a personne qui peut venir d'en bas. Parce que la porte en fait en bas elle est fermée, comme le site de crash, le site noir, il n'est pas accessible, personne ne peut rentrer par en bas. Et regardez, vous allez voir le nombre de points, le nombre de caches que je vais avoir à la fin. Frappe de précision, franchement, je vais pouvoir vraiment très très bien me loot directement en début de partie. Là j'ai un gilet pare-balles 3 plaques. Regardez, là je ne peux pas ouvrir parce que ça mène à l'extérieur. Là pareil, hein. Ok. Là, pareil aussi. Alors, voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Encore une salle de bain. Encore de l'argent. Regardez-moi cet argent. Allez, un kit d'auto-réanimation. Une M4. Vas-y, on la prend. Et un drone. On va mettre le drone. Boum. Allez, il n'y a personne autour de moi. Parfait. Là, on peut pas ouvrir. Là, on peut pas ouvrir. Munitions. Pas ouvrir. Donc là, quand vous avez visité le haut, regardez, on ne peut pas ouvrir. Quand vous avez visité le haut, ben vous allez voir à l'étage juste en dessous. Voir ce qu'il y a. Donc là, il n'y a rien. À part une caisse de munitions. On descend. Là, il n'y a rien non plus. On descend. Et là, on ouvre la porte. Et là, on arrive au rez-de-chaussée. Donc là, vous fuyez tout le rez-de-chaussée, hein. Tranquille. Et regardez, moi, ce que je vous disais, c'est que les mecs, ils peuvent pas rentrer, en fait. Ça, c'est la porte d'entrée, ils peuvent pas rentrer. Donc, vous êtes tranquille. Hein. Vous avez le temps de loot à votre aise. Vous lootez tout ce que vous pouvez. Ok. Là, on peut pas sortir, normal. Paralysante. Oh, en vrai, paralysante, c'est pas mal. Vas-y, je vais en prendre. Couteau, là, on peut pas. Alors, là on peut. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien de spécial. Donc là, on est déjà à 4, 18 000 points. Hop, une petite caisse ici. Mine de dispersion. Ah, on peut utiliser l'ascenseur. On l'utilisera après. Ça me texte. Hop, encore de l'argent, 800. Et là, encore de l'argent, 500. Ici, plaque. Regardez, encore 1200 dollars ici. Une MX9. Et là, quand vous avez terminé de tout fouiller, ce que vous faites, c'est que vous prenez l'ascenseur. On va remonter en haut. Voilà. Et on va ressortir par la fenêtre d'où on est venu, tout simplement. Pour aller dans le shop qui est juste à côté. Hop. Voilà. Là, on va dans le shop. Et vous pouvez directement utiliser tous vos points, soit pour acheter des plaques pour gagner de l'XP sur l'arme que vous êtes équipé, ou soit ben, vous achetez un drone, un kit de réanimation, mine de proximité, mine de suppression pour faire de l'XP aussi. Gilet pare-balles, boîte de mun, plaques. Voilà, vous achetez des plaques hein, avec les 18 000 que vous avez obtenus, vous achetez des plaques. Comme ça vous donne 1100 XP en plus pour l'arme que vous êtes équipé, donc c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!